Dieu, par le canal de son serviteur, le prophète Élie Bada, convoqua son peuple à la nuit du Saint-Esprit, le vendredi 9 juin 2023, à la cité de Dieu. Les malades venus en grand nombre ont été visités par le Saint-Esprit, au nombre desquels la sœur Marie a particulièrement attiré notre attention. Quelque chose qu'elle a pensé être une grossesse, mais qui n'en était pas une, lui a provoqué des saignements et par la suite des complications aux reins, au pancréas et enfin est devenu un cancer de l'utérus, au point même de l'empêcher de faire les selles et d'uriner. Vous êtes sa maman? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Noah Jérôme Marie. Marie, tu as quoi? Au début, c'est devenu comme une grossesse. Une grossesse? Depuis ce jour-là, j'ai commencé à saigner. Je vais maintenant à l'hôpital, on me dit que ça a touché mes reins, le pancréas est touché, j'ai cancer de l'utérus. Mais à peine a-t-elle foulé le sol de la cité de Dieu, que dis-je, depuis qu'elle a entendu parler de la veillée annoncée par le prophète Élie Bada, le Saint-Esprit entama sa délivrance par des vomissements. Par la suite, arrivée à la cité de Dieu, le processus de sa délivrance a continué. Sans aucune imposition de main, la sœur Marie arrive enfin à faire les selles et à uriner parce qu'elle a mis les pieds à la cité de Dieu. Je ne partais pas à la selle. Je n'arrivais même pas à uriner. J'étais couchée. Et depuis on est venu ici là, tu n'as qu'à faire la selle. Tu es en train de faire la selle depuis que tu as mis les pieds à la cité de Dieu. Je ne l'ai même pas encore touché. Elle et moi, on ne s'était même pas encore vu. Elle a juste mis ses pieds à la cité de Dieu. Parce qu'elle a mis ses pieds ici. Elle ne fait qu'aller à la selle. En fait, les maladies que les docteurs ont citées, c'est ça qui est en train de sortir. Les selles qu'elle avait fait avaient une couleur noire que je n'arrivais même pas à supporter l'odeur. Ce soir même avant de venir, elle avait commencé à rendre. Wow. Avant qu'on arrive hier, wow, quand ma fille a parlé de ça, de la veille, elle a commencé, wow, à vomir en même temps. Vomir. Quand l'Esprit de Dieu est dans un endroit, c'est tangible. Soulevez-la, soulevez-la, soulevez-la. Venez avec elle à l'hôtel. Wow! Quand Dieu est dans ton affaire, il le démontre toujours. Le Saint-Esprit, par une série de révélations, dévoile à son serviteur, le prophète Élie Bada, comment ce mal a commencé. Je ne vais pas créer de palabres dans ta famille, donc je ne vais pas dire d'où je vois venir cette attaque. Parce que ce que tu as reçu là, c'est une attaque. Tu as été empoisonné. Et on t'a empoisonné, c'était dans riz gras. Rappelle-toi, tu as eu... Il y avait du riz gras. Dans le riz là, il y avait comme un peu une odeur de sous-marin. C'est après que tu aies mangé le riz là, c'est quelques semaines après, le mal a commencé par un problème. C'était comme un problème d'indigestion d'abord. C'est ça? C'est ça? Oui. Est-ce que j'étais là-bas? Cet emballonnement là, elle a pensé que c'était retard de grossesse. Donc ce que l'homme ne sait pas, Dieu sait. Regardez comment Dieu accorda la délivrance à la sœur Marie. Au nom de Jésus de Nazareth, aujourd'hui il te montre la puissance de sa fidélité et de son amour. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu qui réside dans ce boubou, toute la force que tu n'avais pas de marcher, de courir, de manger, de te mouvoir, tu la reçois aujourd'hui. Lève-toi, c'est fini. Bien-aimés,
Ces événements se passent à la cité de Dieu. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. À la cité de Dieu, le docteur Jésus guérit toujours. Arrivé sur un brancard, incapable de marcher, la sœur Marie reçoit sa guérison automatiquement. Voici la sœur Marie, debout, qui rend grâce à Dieu. De la part du Seigneur, non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. C'est Christ qui m'envoie. Non, ce n'est pas moi. Arrêtez de m'insulter. Ce n'est pas moi. Arrêtez de me juger. Arrêtez de m'injurier. Ce n'est pas moi. Arrêtez de me traiter de la sorte. Ce n'est pas moi. Oh, oh, ce n'est pas moi, c'est papa qui m'envoie. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi, c'est papa qui m'envoie. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est papa qui m'envoie. Ce n'est pas moi. Je ne parle pas de moi-même, je fais rien de moi-même. C'est papa qui m'envoie. Je ne fais rien de moi-même, je ne peux rien de moi-même. C'est papa qui m'envoie. Ce n'est pas moi, c'est Elohim qui m'envoie. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui m'envoie. Par la suite, le Saint-Esprit orienta son prophète vers un autre cas, M. Ofumu Désiré, frappé d'un AVC depuis 6 ans, incapable de marcher. Mais la main tendue du prophète a suffi pour que le Saint-Esprit fortifie et affermisse ses muscles et ses membres. Aussitôt, le miracle se produisit. Le voici, Monsieur Désiré, sur en train de marcher. Waouh! Voici ce que produit un ministère prophétique vrai, conduit par Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui confirme chaque jour sa grâce sur la vie de son serviteur, le prophète Elipada, au détriment de toutes les pierres qui lui sont lancées. Tu veux recevoir ton miracle? Rejoins-nous à la cité de Dieu. Viens prendre ton miracle. Nous sommes tous les dimanches au SNEPSI, situé à Yopougon-Sable. Contact 07 09 07 82 42 07 77 51 72 77 07 08 89 26 62. Que Dieu vous bénisse. Shalom.